Je vais réaliser le point d'araignée surjeté. Pour pouvoir réaliser ce point, il me faut dessiner un cercle d'une dimension de diamètre donné et dessiner des branches. Le nombre de branches peut être pair ou impair. Il n'aura aucune importance par rapport au résultat de la broderie. Je vais broder toutes les branches au point lancé. Je sors mon aiguille au centre et je réalise un point lancé sur chaque trait dessiné. Voilà. Lorsque mes branches sont brodées, je vais ressortir mon aiguille tout près du centre, entre deux branches. Et je vais surjeter les branches. Pour cela, je vais glisser l'aiguille, passer le fil au-dessus de la branche située à ma droite, et glisser le fil sous cette branche ainsi que sous la suivante. Je ne traverse pas la toile, donc je surjette la branche qui se trouve ici et je me glisse sous cette branche-là ainsi que sur la suivante. Je refais inlassablement ce point de surjet. Au-dessus d'une branche, en dessous de deux branches. Au-dessus d'une branche, en dessous de deux branches. Je laisse bien mon fil du côté du centre afin que les points de surjet se collent bien les uns aux autres. Lorsque j'arrive au bout du surjet de mes branches, pour arrêter, je n'ai qu'à piquer à un moment donné dans la toile au-dessus d'une branche et j'arrête côté envers.